Bon, mais avant de continuer les stèles, parce que là, on en a fait déjà quelques-unes, j'aimerais bien vérifier juste une dernière chose, je viens d'y penser. Là, il y a une stèle de TP. J'aimerais bien retourner à Auerba, parce qu'on n'a pas fini Bacti. Et j'aimerais bien finir ce machin, parce que ça rapporte quand même pas mal de bons trucs, hein, vous verrez quand je l'aurai fait. Donc on va ce TP à Auerba. Je pense qu'il y a une pierre de TP là-bas. Donc une stèle de TP plutôt. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Hop. J'avais pas de mission en cours, hein. Alors, d'un coup, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Est-ce que j'avais une mission en cours? Non. Bon. Alors, Bacti. Il n'y a pas de stèle ici, d'ailleurs. Dans mes souvenirs, il y avait une stèle. Qui était pas active quand on était arrivé, mais bon, on verra bien. De toute façon, je crois que j'ai pas tout ce qu'il faut pour Bacti, je vais devoir un peu tout fouiller, donc on verra bien. Je ne vais pas du bon côté. Alors, Bacti, c'était où? C'était là, je crois. Si je me trompe pas, c'était là en haut. Et je n'ai pas tout pour Bacti vu que ça ne s'active pas. Flûte, zut. Pour rester poli. Si j'avais tout pour Bacti, ce serait activé. Donc effectivement, il me manque un truc quelque part, mais quoi? Bien-être. Le dernier composant pour Bacti. Logiquement, ça devrait être indiqué sur la carte. Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais un peu avancer, on verra bien. Au pire, je reviens en arrière. C'est pas la mort. Il y a un étage là, je pense que je ne peux pas voir l'étage si je suis pas en haut, donc hop, on monte, on verra bien. Ah, tiens, une stèle. Ok. Alors, bonjour. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? 55. Oh, ça a une difficulté. Ah, ok. Une nouvelle espèce de Tug, le Néotug. A vu le jour dans les pâturages d'Agra. À cause de ce fléau, les Otiogues de jardin se voient expulsés de leur habitat et proches de l'extinction. Ma tâche semble consister à éliminer un de ces Néotiogues. Pourquoi les Falsies croient-ils que l'on résout un problème par la violence? Ne peut-on concevoir un monde où tous vivraient en harmonie? Je crois que Léa, c'est un peu trop dur pour moi, mais bon, on prend quand même, on verra bien. Y'a rien qui traîne ici pour Bacti? Nope. Nope. Il manque un truc quelque part. Hein. Enfin, pour moi, j'ai loupé un truc quelque part. Mais quoi? Je ne sais pas. Je l'aurais pas loupé si je le savais. Alors, attention, je passe.
Merci. Chariot était assez répandu au rebut, ils acheminaient des marchandises ou des voyageurs, ok, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. D'où est-ce que je viens? Je ne sais plus. Non, ok, c'est bien par ici que je dois venir. Y a-t-il quelque chose pour Bakhti? Là-bas, il y a une stèle qui n'est pas active. Non, bah j'ai loupé un truc quelque part, je ne vois pas où. Je ne vois franchement pas où j'ai pu louper un truc. À moins que... Bon, j'ai peut-être une idée. Merde. C'est pas grave. On va vite se les faire, ça fera un peu d'XP. Mais peut-être que j'ai loupé un truc pour Bakhti au début de la zone. Étant donné que j'y suis pas revenue après avoir découvert Bakhti, c'est peut-être là. Je vais vérifier. Et si c'est pas là, eh ben non, j'en ai pas la moindre idée. Je vérifierai dans mon guide. Alors, la sortie, elle est où? Je ne sais plus. Elle est là. Pourquoi je suis montée par ici? C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que je suis déjà allée vérifier là-dedans? Je me rappelle plus. Je pense que oui. Hein. Allez, hop. Vite fait. Je préfère revérifier et être sûr que c'est pas là, plutôt que de passer à côté 3 ou 6 millions de fois. Donc... Je viens de le lire.
Ok, donc non, il n'y a rien ici. Bon, maintenant, moi, j'en suis sûr. Oh, bouge-toi de là. Là, c'est la stèle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Est-ce qu'il y a quelque chose? Nope. Et ce truc-là, je peux l'examiner? Non. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose par ici, mais bon, si je vérifie pas, je peux pas en être sûr. Donc, autant tout vérifier. Comme ça, au moins, j'en aurai le cœur net. Je pense qu'il n'y a rien ici. C'est joliment vide en tout cas. Bon, ça, j'imagine que si je le prends, ça me ramène. Ça me ramène à la tour, ouais. Mais ça, je m'en fous de la tour. Bon! Mon guide, viens ici, dis-moi, où est-ce que je dois aller? Alors, Bhakti. Bague, non. Ce n'est pas marqué. Flûte? Tu te fous de moi? Sérieusement? Stratégie, on s'en fout. Alors, ça, c'est... La mine de Mahabara, on s'en fout. La tour de Taijin, on s'en fout. Oh, là-bas! Ah bah voilà! La réparation de Bhakti. Alors... Alors... Bon, il n'y a rien ici. Alors, attends. Bon, déjà, oui, il n'y a rien par ici. Je retourne à Urba. Je m'en doutais, mais bon, au moins j'en suis sûre maintenant. J'ai pas dans mon inventaire, ils me disent pas qu'est-ce que j'ai. Objet clé. Alors, couteau de survie, là, de lit, kit universel. C'est quoi ça? Un kit contenant des outils pour améliorer. Non, on s'en fout. Un câble secteur arraché à achat. Ah bah voilà, là je sais ce qui me manque. Alors, voyons voir. La batterie, je l'ai. Le câble secteur, je l'ai. J'ai plaque de métal et la lentille asphérique, donc il me manque effectivement un truc. Ah, c'est malin ça. Je vous lis ce qu'il y a écrit dans le guide. Hein. Supprimez le vampire esselé qui rôde en bas de la pente pour hériter du rouage trochoïde. Notez que cet objet n'apparaît pas sur les cartes du jeu. Eh ben, j'aurais pu chercher longtemps.
Surtout que pour le moment, étant donné que ces monstres ne me rapportent pas beaucoup d'XP, je les évite, donc j'aurais pu chercher franchement longtemps. Bon, par contre, je ne vois pas de quelle pente il parle, mais je vais tuer tous les monstres à Auerbach s'il le faut. Bon, en même temps, des vampires en bas d'une pente, il n'y en a pas 36 000. Hein. Ça va pas être bien compliqué à trouver. Attention, je passe. Merde. Allez, il est où ce vampire? En bas de la pente. Bon, ici il y a déjà une pente, mais il n'y a pas de vampire. Ok. C'est peut-être celui qui est en bas de cette pente là. On va voir. Hein. On va voir. À mon avis, c'est celui-là. C'est le seul mob que je vois tout seul, donc ça doit sûrement être celui-là. Et c'est vrai que je l'évite à chaque fois. Ah ben voilà! Vous avez désormais toutes les pièces pour réparer Bacti. Allons réparer ce petit robot. On dirait un petit lapin, ce truc, c'est trop mignon. Félicitations, vous êtes un véritable pionnier de pulse. Mais quelque part, des pièces d'équipement non encore découvertes n'attendent plus que vous. Conseil de Bacti numéro 7. Certaines des stèles sites de la steppe d'Arkilt mettent du temps à s'activer. Vous gagnez 10 furtifs. Numéro 6, vous gagnez 2 réacteurs ultra compacts. Vous gagnez une pépite d'or, 5 flacons de parfum. Oh, 3 lingots de platine. Oh mon dieu! Tout cet argent! Merci Bacti. Oh, mais laissez-moi tranquille, vous.
Comment ça s'appelle encore ces trucs? Des chonchons, ouais, c'est vrai. Je me disais bien que non, me faisait rire. Des chonchons. Voilà. Je voulais aller où, moi? Ah bah oui. Bah déjà vendre tout ce que Bakti m'a donné. Et puis me TP... J'ai pas changé de carte. La violence comme solution. Ah oui, ils sont... Enfin, ce truc est dans la steppe. Ok, ok, ok. Allons dans la steppe. Oui, non, on va peut-être pas se prendre le vampire en plein dans la face. On va l'éviter. Hein. Voilà. Téléportation vers... Bah là. La cible. Oh, je crois savoir c'est quel monstre. Oh, oui, je sais c'est quel monstre. Ah, il me faut vanille. Il me faut vanille. J'ai besoin de vanille. Bon, déjà. Ah, oh, merci, Bakti. Je vais améliorer l'arme de vanille un peu. Ça c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Faut que j'améliore l'arme de vanille. Parce que j'ai absolument besoin de vanille pour cette mission. Améliorer arme. Où est le bâton? Sceptre Belladone. Bonus x2. Bah, tu vas me mettre un bonus x3 s'il te plaît. Merci. Et maintenant, et maintenant, et maintenant. Ouais, 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 ouais. Affaiblissement précis x2, c'est tout ce que je voulais. Étant donné que je n'ai pas encore tout ce qu'il faut... Pour améliorer son arme au niveau 3, vu qu'il me faut un anti-diamant que je n'ai pas. Hein. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça aussi. Ça aussi. Pas aller bien loin avec tous ces trucs, moi, ici. Bon, on va déjà essayer avec ça. On verra. Bon, je vais devoir me refaire mon équipe. Stratégie. Non, pas rôle. Combattant. Il me faut absolument Vanny en leader. Je vais garder Light. Et Fang. Yep. Alors, on va commencer par saboteur, défenseur, soignant. Absolument. Ça, il me le faut absolument. Ensuite,
Assaut furieux, on peut le laisser, ouais. Je vais les mettre un peu dans l'ordre parce que vous verrez bien quand on y sera. Hein. Vous allez vite comprendre. Je vous expliquerai quand on y sera. Ce sera plus simple. Alors, sabateur, défenseur, soigneur, qu'il me faut absolument. Ravageur, attaquant, ravageur. Oui, oui, oui. Au cas où, soigneur, attaquant, soit attaquant. Et en dernier, je sais pas moi, double soigneur, au cas où. Voilà, ça devrait être bon. Par contre, il faut que je lui remette de l'équipement à ma petite Vanille, du coup. PV plus 300, c'est toujours utile. La force, on s'en fout. Être utile. Magie plus 100, ouais. Je regarde ça pas mieux, mais magie plus 100, non. Magie plus 100, s'il te plaît, merci bien, voilà. Par contre, je vais en profiter, je vais leur faire un peu leur cristarium. Ça peut toujours monter un petit peu les stats. Voilà. Attaquant, ravageur d'abord. Chez eux, on s'en fout, on les utilise pas. Au cas où,